Bonjour à tous, c'est Astronaut, on se retrouve pour le chapitre 17. C'est parti, on y va tout de suite, pour le meilleur et pour le pire. Par là. Ouh, un beau boule. Non, on peut pas. Très bien. Je rêve ou c'est un ascenseur? Ça y ressemble en tout cas. Franchement, Avery avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Il devait l'utiliser pour transporter. Oh. Oups. Oh non, please. Ça fait quelques heures. Vu la colonie. Du ciel. Impressionnant, pour vrai. C'est pas comme si j'avais fait ce qu'il vous plaît. J'étais légèrement occupé à chercher. Ouais, c'est vrai. Oui, l'ascenseur, blablabla. Je rêve, c'est un ascenseur. Je suis mort. Ouais, bon, rien de temps. Alors, il y a combien de temps que t'es arrivé? Une sur l'île? Ça fait quelques heures. Et t'as vu la colonie? Je l'ai vu, du ciel. Impressionnant, pour vrai. C'est pas comme si j'avais fait quelque chose. J'étais légèrement occupé à chercher. Ouais, c'est vrai. Bon, je veux pas que ça foute, un putain d'ascenseur, oui, bravo. Ça fait trois fois qu'on le voit. Ça y ressemble en tout cas. Franchement, Avery avait recruté les meilleurs ingénieurs de son époque. Il devait l'utiliser pour transporter les ressources sur la rivière. Ouais, ça coule de source. Il ne reste qu'à monter là-haut. Et oui. Voilà. Passe pas. Allons voir ça de plus près. Ah, c'est trop. Trouvons un autre passage. Alors, on est d'accord qu'on doit aller là. Il doit bien y avoir un moyen. Bah oui, mais là. Bah oui, mais non. Oui, tout petit. Yeah.
Ah. Génial. Au revoir. Quoi? Merci. Ouais, il était là-bas. Ok. Allez, Nathan, allez. Non, ça passe pas. Mais non. Ah bah quand même. Youp, merde. Ah, je suis pas laissé haut. Ritter. Ouais, c'est bon. Wow. Une vraie gazelle. Ah, t'as vu comme j'assure. Super idée de traiter comme ça une fille aussi géniale. Crétin. Ok, je te rejoins tout de suite. Oui, putain, je... Non, mais j'ai... Oh, c'est bon, on va monter sur le... Oup, la merde. Ah, oh, mais non, c'est bon, il y a juste besoin. Hey, tu vois un moyen de t'en sortir? Je crois que c'est un cul-de-sac. Peut-être que l'ascenseur fonctionne toujours. J'en doute. Il a quand même 300 ans. Il a subi des intempéries. On sait même pas s'il a jamais... Tiens, il marche. Ah, tiens. Ah, l'ascenseur, ok. Ok. Oui. Putain, mais le mec il a fait la bombe. Il a fait Yahoo! Tu vois un moyen de t'en sortir? Je crois que c'est un cul-de-sac. Ah, peut-être que l'ascenseur fonctionne toujours. J'en doute. Il a quand même 300 ans. Il a subi des intempéries. Je sais même pas s'il a jamais. Il marche. Oups. Quoi? Fonctionne encore?
je vois. Youhou! Mais ça devient chaud, dis donc. Par là? Par là. Là. Ta voiture. À vrai dire, c'est leur voiture. Et alors, on va leur reprendre. En vrai, le plus chiant, c'est le sniper. Ça va glisser et tout, ça risque d'être chiant. Je crois que j'ai eu le snipe. Mec, calmez-vous les gars. Mais y'a un gars juste là, mec. What the fuck? Vas-y, crève, mec. Putain, mais ils adorent. C'est chez moi ici, mec. Mec, je vais bien finir par l'avoir, la force. Ou pas. Ok, très bien. En amont, j'ai repéré un passage près de la cascade.
Quoi? Ouais, ok. Par là, là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est parti. Chemin. Laissez-moi. Cette voiture-là. Quoi? Comment je suis mort, mais mec? Je suis un peu fatigué, j'avoue, mais quand même. Alors, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Ray Adler court après ce genre d'argent? C'est pas comme si elle avait de l'argent. Ça fait la gloire qu'il court. Il ne faut pas qu'on voit comme quelqu'un qui voit sa richesse pour son héritage. Laissez tomber, ne fait pas partie de ses options. Ray de Shoreline s'est fait abuser. Lui, il a besoin de revenus, et eux, de son argent. Tu crois? Ils m'ont pourtant l'air d'avoir ce qu'il faut. Shoreline a été impliquée dans quelques guerres civiles qui n'ont pas donné à son héritage. Nadine a hérité des galères de son père. Elle pense probablement que tout ça va la remettre dans la tête. Putain, mais je suis vraiment un débile, moi. Est quand même incroyable. Il a l'air assez grand pour y mettre la voiture. J'espère qu'il fonctionne aussi bien que l'autre. Youpi.
Allez, une 10, hein. Dans 2 secondes, j'ai un problème. Problème résolu. Voilà. C'est intéressant ça. Ok, mais je peux le raccrocher où les gars là? Ok, ça doit être pour après. D'abord, monter. Balcon avec le quoi? Tu as tout à fait compris. Ok, j'utilise pas le truc pour faire la bonne chose.
Mais dis... Putain, c'est qu'elle est un autiste ou ça se passe comment, mec? Oh merde. En fait, je vais quand même prendre l'arme qui est là. J'ai plus de munitions là. Putain, mais j'ai un trou du cul qui me tire dessus depuis là, mais. What the fuck, là, j'ai trop mal à la tête. C'était pas une bonne idée.
crois que j'avais compris qu'il y avait un sniper. Hein. Chou. Non. Putain, mais quel con, 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 mais quel con. C'est bon, j'ai pas dit assez de fois. Il est con, il est con, il est con. C'est un gros débile, voilà. Non mais putain, mais t'es obligé de sauter la con mec. T'es con. Ta gueule. Plus vite. Quoi, Nate? Ouais, j'arrive. Après tout ça, j'aurais bien besoin d'une chose. Tu l'as bien mérité. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Toute cette technologie et cette architecture, ça doit coûter cher. Et si ça se trouve, il reste plus rien du tout. Je fais la même réflexion. Bien sûr, j'imagine qu'il faut traverser si rapide. T'as des gilets de sauvetage avec toi? Allez, on peut y aller. Voilà, j'ai repris le contrôle. On y est presque. J'aurais pas apporté quelques vêtements de rechange par hasard? Si, si. Super. Ils sont dans l'avion? Pas super. Ce barrage, il faut passer par la porte d'écluse.
Voilà pour la première. Snake ! Mauvaise nouvelle ! C'est bloqué ! Ok, alors je vais essayer l'autre. Et derrière la porte numéro 2. On dirait que celle-ci est ouverte. Beau travail. C'est bon. Regarde ça. Accroche-toi. On a réussi. On dirait que ça te surprend. Peut-être un peu. Ouais, c'est bien le problème, ça veut dire que la chance va tourner. La roue hydraulique fonctionne, ça s'annonce bien. Et mettre la voiture dans l'ascenseur. Hey, tu veux bien m'aider ? Ah, merde ! Je vais la tenir. Va chercher la voiture. Les ingénieurs de ces pirates sont remarquables. Waouh. C'est vraiment paradisiaque. Ouais, Libertalia. Ces paysages à couper le souffle. Ces mercenaires et ces échanges de tirs. Savoir pourquoi t'as changé d'avis. Tu m'as dit que t'avais failli pas revenir. Ben, je pouvais quand même pas tourner les talons en te laissant dans un pétrin pareil. Puis je sais pas si tu te souviens, mais on a échangé des vœux. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Tiens,
Tu veux bien me donner un coup de main? J'arrive. Super. En fait, même si tu penses agir dans le but de me protéger, en aucun cas ça te donne le droit de me garder à l'écart. Quel que soit le problème, tu es censé m'en parler pour qu'on essaie de trouver une solution, tous les deux, en équipe. Je sais très bien. Non, vraiment, c'est juste que... Tu sais quoi? Il faut qu'on reste concentré. On reparlera de tout ça plus tard. Prochain arrêt, New Level. Eh ben, tant pis pour la voiture. C'est ça. Allez. C'était pas pour te protéger, tout ça. Mais tu sais, je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. T'étais pas tout seul? Ouais, mais moi, je l'ai pas tenu. Si je t'en ai pas parlé, c'est parce que... je crois que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Peur de te perdre. Je crois bien que j'essayais de me protéger. Tu comprends? On a encore pas mal de chemin à faire. Ouais. Il faut avancer. Ouais. Par ici. Ben, au moins, on est du bon côté de la rivière. C'est sûr. Ça aurait compliqué les choses.
veux, on peut revenir y passer quelques jours, un de ces quatre. Ouais, ça prend pas. Oula. À en juger par leurs vêtements, c'est des colons. Est-ce qu'ils se sont battus ? Non, j'ai pas l'impression. Regarde comment ils sont disposés. Ouais, t'as raison. Ils sont empilés, ou simplement poussés contre les murs. Ils étaient déjà morts quand on les a amenés ici. Je crois que c'est une fosse commune. Bonjour. Qui ça peut bien être ? Ben, regarde le panneau. Traître. Et un des rebelles. C'est plutôt atroce comme mort. En voilà un deuxième. Désolé, je n'ai pas te manquer de respect. Non, c'est...